2019, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Heroes in General, normalement. J'essaierai. Enfin bon, normalement c'est pas trop difficile. Donc vous voyez maintenant les généraux, bien entendu, les grandes villes, maintenant c'est plus accessible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est quoi ça? Bon, je suis un Américain personnellement, et donc vous pouvez bien voir qu'on s'est bien fait rétamer complètement. Bref, ça c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est... Et voilà. Albert Taylor. C'est un aviateur. Honnêtement, j'ai 86 000. Ce qui m'intéresserait, ce serait bien, ce serait de faire une petite mini-série sur tous les avions, à la limite, on essaierait, voilà, Wally. Bientôt le P35A, je vais pas dire le nom avant parce que c'est un peu trop compliqué. Honnêtement, j'y suis proche, hein, j'y suis proche, j'ai quand même fait des parties, vous pouvez voir. Ça demande une certaine maîtrise, mais honnêtement, quand vous prenez la maîtrise, c'est honnêtement vraiment cool, hein. C'est très très intéressant. Au début, vous n'avez pas d'armes du tout de poing, donc c'est un petit peu embêtant au début. Hein. Je vais pas vous dire, vous n'avez pas d'armes, c'est un peu embêtant. Comme j'ai quand même joué, j'ai quand même un petit pistolet. Hein, je vais vous dire, il n'est pas très bien fort, mais bon. Et c'est bon tout le monde, j'ai retrouvé une petite partie, là on est 17 contre 17, honnêtement je sais pas si c'est une partie, enfin une guerre, ou alors une simple partie on va dire, il n'y a pas les mêmes ambitions, les gens sont pas aussi chauds que en vraie guerre on va dire, entre guillemets bien entendu. Donc ce que j'ai pu voir, il y a de l'infanterie, il y a tout, infanterie, tankiste et aviateur, il y a de tout, il va devoir bombarder les tanks, se protéger de l'aviation ennemie, et au cas où essayer de tuer quelques ennemis au passage, ce serait pas mal. Donc bon, 10 secondes à attendre, vite fait bien fait. On est contre les Allemands, plutôt quand même, plutôt bon ping, parce qu'en fait ça veut vraiment rien dire, votre ping, des fois j'ai eu du 2 barres, j'ai pas compris pourquoi, et je tournais absolument très très bien, donc bon, ça veut absolument rien dire. Donc là vous spawnez, hop, parfait, enfin, comme si vous spawnez en infanterie, déplacement vers le lieu, bien entendu, il faut attendre un petit peu, et honnêtement... Je vais vous expliquer quelques petits trucs parce qu'au début c'est pas très clair, il n'y a pas on va dire de tuto comment bien apprendre en avion, honnêtement faut apprendre un peu tout seul et c'est quand même un petit peu compliqué. Bon, donc là vous... ça c'est mon petit rituel quand je commence avec un avion, je fais quelques petits tonneaux. Donc là hop on peut voir sur la map qu'ils sont en train de prendre C2 et D2. Okay. Donc là, ça serait peut-être un peu plus marrant certes avec The Phoenix mais bon, pas dispo. Enfin. Pas tous disposent le temps de time et tout. Donc bon. Là, vous dirigez avec la molette de la souris et vous contrôlez la vitesse avec W ou S. Enfin, touche par défaut. Voilà. Je me retrouve enfin. Ok, donc là on voit les avions ennemis, les avions ennemis, les avions allemands aussi. Enfin, c'est clair que c'est les avions ennemis tout court. Comment je vise? Comment je vise? Ok, hop. On l'a enfermé. Oui, il est pas très. Il est pas très malin. Ok, on se fait tirer dessus aussi. Ok, fait des manœuvres. On va se faire digoumi, les amis, je vais vous le dire. Ok. Hop, espace, déployer le parachute. On a tué quelqu'un. Ça, honnêtement, je vais vous dire, c'est vraiment force d'ailleurs. Ben, c'est pas de ma faute, hein. Emirates 61. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai réussi à sauter en parachute. Alors, je vais vous dire, le saut en parachute, ça vous sauve la vie. Honnêtement, ou punaise. Par contre, on est derrière les lignes complètement ennemies là. Ça me rassure pas tip-top, mais personne ne va spawn à D1. Donc bon, on va pouvoir se trouver un vélo et ce sera bien. Donc, pour sauter en parachute, au début, vous allez avoir une sorte, je sais pas, de câble de largage. Donc moi, j'ai pris une compétence qui me permet de ne pas en avoir et du coup de pouvoir déclencher son parachute quand vous voulez. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Ouh, mais toi, Jamy! Qu'est-ce que tu nous fais là? T'en vises bien. Et voilà, hop, un petit headshot. Parce que ce petit pistolet n'est pas très très puissant, je vais vous le dire direct. Il n'est pas des masses puissantes, du coup, faut vraiment bien viser. Et si j'aurais été un tout petit peu sur lui, un peu au hasard, il aurait senti, il serait parti, il aurait eu une chance quand même de me tuer. Du coup, comment est-ce que je fais? Je vise. Allez, roule, Jamy, allez, roule. Oh là, roule. Ok, parfait. Du coup là-bas des 4, ok on va les back up mon ami.
Oui, voilà, câble de largage. Du coup, vous avez, je sais pas combien de secondes vraiment vous pouvez avant de déployer votre parachute. Du coup, c'est un petit peu embêtant quand vous, comme moi par exemple, hein, vous crachez, vous sautez, mais vous n'arrivez pas à faire mettre déployer votre parachute. Ça peut être quand même bien, bien embêtant. Du coup, cette compétence, ça atteint, à mon humble avis, est très, très bien. Ok, on va se cacher quelque part. Parce que petit pistolet, ça veut dire petite puissance. Donc bon. Surtout s'ils ont des machines pistoles, mon ami. Ok, il y a un tank, il y a un tank, il y a un tank. Ok, alors là, moi qui ai plus que ça. Ouh, louloulou. On a un petit ami qui l'a repéré. Ça fait plaisir. Ok, donc on va essayer de camper à D2 et voir si on arrive à le prendre. Après, bon. J'ai pas envie de faire une vidéo ennuyante, du coup, ça m'embêterait un peu juste de camper comme un sale porc. Donc bon, par exemple, bah après j'ai un petit puits, j'ai pas encore des très très bonnes armes, hein. 3-3, allez. Lui il veut pas sortir, de toute façon il y a un tank, il y a un tank, il y a encore un tank. Ennemi repéré, hop. Oh, machine pistole, ok, ça veut dire machine pistole, ça pue. Difficile, faut rester poli. Bah oui, faut rester poli, hein. Faut rester poli, faut rester poli. Qu'est-ce qu'il nous fait ce tank là? Lui, je suis un fou, moi. Je suis un fou à sauter comme ça. Pardon, un débile surtout. Petit débile. Ok, ça c'est un avion ennemi. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Il n'y a pas de. Parce que dans certains endroits, il y a des Panzersoft. Ah, s'il y en a là-bas. Ok, on va essayer de s'y glisser. Mission d'infiltration, les gars. Le mec, il s'y croit trop, tu vois. Ok. Alors, je suis une pourriture pour tirer avec ça, je vous préviens. Hein. Pas de. T'es une merde. S'il vous plaît, ça me fera plaisir. Oh là là. Allez, c'est bon. Donc ça, content, j'ai tué un petit tank. Ok. Alors, je suis une merde en infanterie, je vous préviens. Directement. Oh là, qu'est-ce que tu fais? On se tire, on se tire, on se tire, on se tire, on se tire. Détroit est pris, détroit est pris. Ça sert à rien. Détroit est pris, je répète, détroit est pris. Mais détroit est pris. Mais les gars, Détroit est pris, vous comprenez pas? Bon. Ok. Bon, je vous laisse gérer ça. Moi, faut que j'aille prendre Détroit. Ok. Donc, ce que j'aime bien aussi en parachute, c'est de redevenir en infanterie et ne pas avoir peur après de se dire, oh, punaise, je vais respawn en infanterie. Et du coup, et ben non, parce que tu vas respawn en avion. Et du coup, vous allez pouvoir bombarder Détroit. Parce que Détroit, il s'est fait prendre. Et bah oui. Détroit s'est fait prendre et du coup c'est un peu embêtant tout ça. Bah tiens. Détroit se referait prendre mais pas nous. Ok, bah Détroit, il n'y a plus personne à Détroit. Ok, hop. Hop. Non mince, mais je veux rentrer dans la maison moi. Ah ouais, bah j'étais bête. Bah oui, t'es bête. Hein. Bah oui, t'es bête. Ok, on va respawn parce que là, il y a quand même pas mal d'avions à tuer. Il y a combien de personnes? 18, 19, ok. On a une infériorité numérique. Mais bon, notre but, c'est de résister. Bon, ça va alors. Ouais, même si D4, bon, je suis pas très bien rassuré pour D4. J'espère que le son de ma voix est suffisant par rapport au son du bruit du jeu. Hein. Ok, il faut un de ces push là, mon ami. Ok. D4. C4. C4. D4, c'est pas encore fait prendre. Heureusement. Oh. Alors ça. Ça, je suis bien content de l'avoir eu dans ma propre vidéo. C'est le mec s'est fait tuer alors qu'il était en avion. Bah oui, ça va être ça. Allez, un petit kill là, non? Non? Bah non. Bah non. Eh ben non. Ta-da-da. Hop, toujours avec la petite souris. Hop, on maintient. Oh, on se fait attaquer par un tank. Les tanks, ils font vachement mal à l'aviation aussi. C'est quand même fort. Ouais, quand même, les tanks vs avion, bon. Si tu prends par surprise, t'as une chance de bombarder, mais tu sais que tu vas pas le détruire. Et lui, par contre, s'il te voit, et qui sait bien, en plus, par malheur bien visé, il te détruit. Et toi, tu peux rien faire. Et bah oui, évidemment. Tu te retrouves comme un zombie. Voilà, non, honnêtement, je vais me tuer. Y a pas de risque. Il y a des fois où tu te dis ouais, et d'autres non, non. Et du coup, aussi maintenez E pour vous déployer en tant que mitrailleur.
Et du coup, j'avais pas pensé que j'avais un ami qui allait se faire tuer. Du coup, bon. O2 se fait prendre. On va leur dire sur le chat parce que bon. O2. 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 Ah, un petit point d'exclamation, s'il te plaît. Voilà. Un petit point d'exclamation pour leur dire midi, pichez-vous. O2, s'il fait prendre. 18 joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est quoi ça? Oh là là! Il y a un tremblement de terre? Tu m'expliques? Tremblement de terre! Hop, j'espère que j'ai bien largué. Bien entendu, ça vise dans le noir. Ok. D4. D4, j'ai plus de chances de toucher quelqu'un. On va se mettre en une première personne parce que. Ouh là là, mina mina, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, laisse-moi leur bombarder la tête. Ouh là, c'était dangereux ça. Ouh lolo. Oh lolo lolo. Oh non, c'est mal pris tout ça, c'est mal pris. Hop. Hop, il y a deux personnes, ok. Chiche, comment tu veux que j'attaque ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Ouais, il y a du monde, je vois, mais. Le problème, c'est que j'ai gaspillé mes bombes. T'es qui, toi? Ah, toi je sais, t'es ennemi toi. T'es ennemi, hein? T'es ennemi. Flancher, he's dead. Ah ouais, mais punaise, non, mitrailleur. Eh oui, parce que les avions de reconnaissance sont bien entendu des mitrailleurs. Des mitrailleuses à l'arrière. Cuny, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est posé. Ah oui, parce que vous pouvez vous poser, bien entendu, dans le jeu. C'est un peu compliqué, ça demande un peu de maîtrise, faut avoir un petit peu de chance. Et oui, il s'est posé en mode total et irrespect. Non, mon ami, je vais pas te laisser vivre. Toi, je vais pas te laisser vivre. Je vais pas te laisser vivre, non, en plus. Je suis pas mon ami. Et ne sera jamais mon ami. C'est pourquoi? Parce que t'en aimes. Oh, mais je te vois en plus. J'y les vois, le boy. Ta-ta-da. Oh là, je fais le débile, là. Je fais le débile, je fais le kéké, là. Mais tu vas voir, et tu vas te faire détruire. Et... Parle, oui. Allez, hop. Hop, parachute, et bah oui. Oula, c'est quoi ce mec là? J'adore, il s'est bibi, voilà, hop, hop, hop. Ok, donc toi t'es un petit campeur, tu me protèges, tu me covers, ok, parfait. Donc moi je prends prendre O2 et tu me covers en attendant. Putain, il est bien planqué quand même. Oh. Il est bien planqué, hein. Vas-y, fais ton taf, parce que moi je me fais tirer dessus. Quand une tireur d'élite, son rôle c'est de tuer les gens, tu vois. Une balle à mort. Bon, même si des fois c'est pas très possible. Mais bon. Je sais pas si c'est possible quand même d'autant rebondir. Dans la vraie vie, après être mort d'un avion, normalement tu coules, hein. Tu fais pas une balle de rebondissante. Logiquement, t'es pas vraiment ça, tu vois. Ils sont 3. On est 18, hein. Non, mais juste parce qu'on est 18, normalement. Je vois qu'on est un petit peu moins que 18 au point O2. Hein. Ah bon, bonjour, c'est moi. Tu me connais pas, bah, heureusement. Oh, c'est quoi ça? Ouais, bah, c'est un petit pistolet aussi. Ça, c'est la base de... Oh la bûche. Dis donc, vous savez que j'ai eu de la chance. Neutralisé. Ouh. Ouh. Ouais, bah, faudrait dire tant que deux. Normalement, il y a des Panzer Soft ici. Ok, je suis le seul survivant ici. Le seul survivant, mon gars. Je les entends. Je sais pas si vous les entendez, mais moi, oui.
Dutch arrive. Ouais, c'est bon. Bon, il apparaît qu'il y a du monde quand même qui est pas là. Ils sont 6, tranquille. Bon, bah voilà. Non, en fait, on va pas sortir. Non, non, tu vois, je suis pas très chaud pour sortir alors qu'ils sont que 6. Machine pistole. Ouais, parce que mon problème, c'est que je mets 3 ans à tirer une balle. Je mets 3 ans pour tirer une balle. Moi, je vais leur dire. C'est pas ça, mais c'est. 6 Dutch. 6 Dutch. Hop, allez, 6 Dutch. In. O2. O2, s'il te plaît. Mais ils sont faibles. Ouais, but it's there. Parce que bien entendu, je suis une merde. Allez hop, salut. La bonne humeur est présente. Tiens, je me fais tirer dessus. Ouais, mais sauf que tu sais pas tirer, toi. Allez, salut. Ta-ta-da. Ah, bombe. Bon, allez, tu peux. Putain, quand tu fonces en piqué comme ça et que tu veux toucher. Oui, c'est qui que j'ai vu là? Mais c'est qui que j'ai vu là? Mais c'est un petit tank, allez hop, salut. Hop, hop, ciao. Ouais, alors là. Bon, allez, salut. Hein, salut. Hop, on vise à peu près. Et on se déploie. Au parachute. Non, pas sur les toits. Oupinette, oupinette. Mais je suis une. Mais. Ah, je vais pas dire de gros mots, mais vous avez quoi très compris, hein. Quand tu veux dire caca, mais en vulgaire, tu vois. Ah, mais. Bon, bah. Bon, bah, voilà, super. Voilà, c'est bien, on a gagné, voyez. Voyez. Faut aller à 5 étoiles parce que ça a pas bugué. Ok. Ok. Destruction de char. Bah oui, parce que j'ai tué quelqu'un. Bah oui. C'est déjà ça. Alors, action de bombe 5. Ok. Tableau. Non, je veux dire un petit tableau des scores. Bah, deuxième. Regarde. Moi. Tout pourri que je suis. J'arrive à deuxième. Alors, ça veut dire que, bon. On n'a pas fait des. C'était pas des masses. Bon. C'était pas des masses. Voilà. Hein. Recherche d'adversaire. Oui, bah ça, je vais faire une petite partie après. Pas de problème, tu peux m'en chercher une. Alors, défaite, 17 minutes, ok, donc ça veut dire que la vidéo va durer quand même un petit peu longtemps. Ouais, bon. Bon, bref, ok, petite amélioration. Hop, allez, moi je vais continuer à y jouer, mais la prochaine fois que vous verrez un épisode sur Heroes, je sais pas dans combien de temps, parce que bon, hein, je vais pas dire n'importe quoi, n'importe quand, ce sera avec The Phoenix, sur Heroes en général, et donc moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu, ça me fera un extrêmement plaisir, de lâcher quelques conseils, parce que bon, je veux dire... j'explique un petit peu ce que c'est que l'aviateur, mais bon, je suis pas des masses très très fort, donc n'hésitez pas à lâcher un bon petit like aussi, à lâcher un commentaire, je me répète deux fois, je sais pas pourquoi, et à vous abonner pour savoir, bref, toutes les notifications, bref, vous savez quoi, la routine de tout youtubeur qui commence et qui dit ça pour progresser, donc moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, salut!